Anna, les devoirs. Moi, c'est Anna, j'ai 9 ans. Chat ! François, arrête, tu vas me salir. Avant, avec mes parents et mon petit frère, on habitait une belle maison. Debout. Maman, pourquoi papa il va plus à son bureau ? Mais depuis que la sœur de papa est arrivée, on l'a fait. Tout a changé. Tes parents, ils m'ont dit qu'ils pouvaient plus me payer. Mais moi, je sais pourquoi ils me renvoient. Ils sont devenus communistes. Déjà, on a déménagé. En plus, papa s'est laissé pousser la barbe. Et maintenant, il y a des gens que j'ai jamais vus qui restent chez nous tous les soirs. Ses parents sont devenus des bikini-kipis. Ils ont plus leur belle maison. Ils sont dans un tout petit appartement avec plein de monde partout. Fais-nous confiance. Oui, mais vous dites aussi que Blanche-Neige et Mickey, c'est fasciste. Vite, il y a un policier. Avec François, on n'y comprend rien. Mais alors, il n'y a personne qui sait les choses pour de sûr. Faut qu'on laisse plein de groupes. Imagine que les richesses du monde sont toutes dans une orange. C'est qui les communistes, bonne maman ? Nous, ton père, ta mère, nous sommes pour le partage. Arrête de faire celle qui ne comprend pas. Et réfléchis à ce que je t'ai dit. J'ai rien à réfléchir ! Anna, calme-toi ! Je veux retourner au catéchisme ! Je veux retourner dans la maison ! Je veux que Philomena revienne ! Mais tu crois quoi ? T'es la seule à vouloir ? On m'a acheté des choses normales ! Un jardin. Ça y est. Je déteste. On peut s'arrêter maintenant. Tu as compris qu'on est là pour toi, pour ton avenir. Pour moi. Tes parents, ils sont devenus fous. Ça y est, les comme Fidèle, ils sont tous fous. Mais alors, c'est la faute à Fidèle.